Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Cécile et c'est la Réactée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah, ça faisait longtemps, bon, une semaine. Mais en vrai je suis tellement content de refilmer parce que, je sais pas, YouTube ça devient une drogue actuellement. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un je n'aime pas, le JPP, deuxième épisode, spécial Netflix. Je vous réexplique le concept, je regarde des séries Netflix et je vous partage ce que j'ai bien aimé là-dedans et ce que je n'ai pas aimé. Et au final, est-ce que je recommande la série ou pas? Alors c'est vrai, cette vidéo elle devait sortir la semaine dernière, mais bon, j'étais pas chez moi. Et en plus, enfin, je voulais pas filmer, je voulais me prendre genre une semaine de vacances, même si bon, je suis déjà en vacances tous les autres jours. Je ne travaille que, bon, si je prends YouTube comme un travail, bon, je gagne zéro argent avec. Mais je ne travaille que le samedi de 15h à minuit, enfin quand j'ai fini le montage et tout. Et cette vidéo devait sortir la semaine dernière, mais j'ai pas filmé parce que je voulais pas. Bon, j'espère qu'on m'a pas oublié parce que bon, en vrai on oublie les gens rapidement sur YouTube. Et de plus, je ne l'ai jamais fait dans mes précédentes vidéos, mais je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram, sur Snapchat et Twitter parce que c'est là que je partage les nouvelles qui se passent et où je dis quand je sors une vidéo ou pas. Mais de toute façon, normalement je sors des vidéos toutes les semaines, chaque dimanche, donc du coup c'est facile à retenir. Mais bon, je dis ça, mais genre il y aura les trucs qui passeront en bas là. Mais bon, peut-être que je ne le ferai même pas parce que en vrai c'est chiant, c'est fatigué à faire des couches alpha. Je vous épargne les détails. C'est quoi cette intro long là? Ça se voit que ça fait une semaine que j'ai pas fait YouTube. C'est mou là. Bon, commençons hein, parce que sinon je vais m'étendre sur des trucs par-ci par-là. Après ouais, comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, j'ai pas pu regarder des séries Netflix, donc du coup j'avais pas pu tourner le JPP épisode 2 il y a un mois. Donc du coup vous allez retrouver des séries Netflix qui datent un peu, pas des nouvelles, vous voyez. Alors la première série de cette liste c'est Love, Death and Robots. Comment vous expliquer, c'est super bien. Genre c'est une série d'animation plus ou moins réaliste, parfois dessinée, parfois animation 3D. Et ça suit genre la tendance, ça suit le même genre de vidéo, le même genre de série que Black Mirror, vous voyez. Genre les épisodes n'ont rien à voir entre eux. Genre à chaque fois c'est un nouveau truc, mais genre les épisodes sont tellement bien. Mais genre quand vous regardez vous êtes là, mais waouh c'est trop bien. Mais le problème c'est que les épisodes durent de 8 à 20 minutes max. Genre c'est pas beaucoup. Genre il y a des trucs c'est bien, genre t'es là, t'es dedans et tu te rends compte que le truc il dure que 8 minutes. Et tu te dis la suite, je veux la suite. Enfin tu veux un film entier sur l'épisode. C'est pour vous dire que j'ai adoré, je vous conseille de le voir. Genre quand vous regardez l'affiche machin tout ça, ça donne pas, enfin ça donne envie, moi ça me donne envie. Mais c'est vrai que quand on regarde l'affiche on dirait un truc de je sais pas, pour enfants ou des animés. Mais bon c'est pas assez décroché en mois de saison je crois, donc du coup c'est pas pour les enfants. Alors pour moi Love, Death and Robots c'est un gros j'aime. Deuxième série de cette liste, j'ai pas fini cette série hein. The Haunting of Hill House, enfin cette série j'ai pas fini, je suis à l'épisode 5 je crois. Mais les chambres cette série, genre dans le sens horreur, mais il est trop bien. Enfin après, si je vivais dans une maison comme ça, je la quitterais. Bon, la maison elle est belle machin et tout, mais je quitterais cette maison. Je vais pas rester à l'intérieur alors qu'il se passe n'importe, il se passe des trucs bizarres. Genre tu peux même pas dormir. Mais sinon, suspense dans cette série. Je vous conseille vraiment cette série. Bon, si vous aimez pas les trucs horreur, si horreur, peut-être pas horreur parce qu'il y a pas de truc qui fait vraiment peur, mais du suspense parfois ça fait peur machin, mais c'est trop bien. Je vous conseille cette série. C'est vrai c'est un peu long, enfin non ça commence assez vite hein. Il faut commencer à regarder, laisser vous regarder le premier épisode, laisser une chance à la série, voilà. Alors pour moi pour moi The Haunting of Hill House c'est un gros j'aime, un j'aime. Troisième série de la liste, Another Life. Ça fait pas longtemps que c'est sorti la semaine dernière je crois. La semaine dernière je crois. J'ai regardé le truc en une nuit. J'ai commencé la nuit sur le lendemain matin, puis le matin. Écoutez, je suis en vacances. Alors cette série, j'ai commencé à regarder le premier épisode. Genre c'est une série dans l'espace, dans un vaisseau spatial. Ça a commencé avec un gros cliché des séries qui se passent dans l'espace, dans des vaisseaux spatiaux. Il y a une mutinerie, genre forcément il y a une mutinerie. Forcément il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui veut prendre les rênes machin et tout. Genre ça m'énerve grave. Ça m'énerve parce que l'intelligence les gens hein.
En plus, le gars il prend les rênes machin et tout pour aller foutre de la merde après. Et écoute, hein, en plus, c'est un cliché. Genre, la personne va prendre les rênes, genre, elle va faire une mutinerie, elle va prendre les rênes, après, elle va foutre de la merde, après, ils vont rappeler l'autre personne. Mais bon, après ça, enfin, ça m'a énervé un peu, mais bon, la série avait l'air plutôt bien. Après, j'ai continué à regarder et en vrai, la série elle est très 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 bien. Je raconte pas toute l'histoire, mais bon, en gros, de toute façon, dans le premier épisode, c'est directement ça. Il y a des extraterrestres qui débarquent sur Terre. On sait pas ce qu'ils font. Ils viennent avec un vaisseau, c'est genre, c'est futuriste machin et tout. On sait pas ce qu'ils veulent. Ils mettent un gros caillou comme ça là, qui s'allume avec des lumières et tout et qui joue des sons que seuls les pigeons peuvent entendre. Et écoutez, hein, juste en entendant ça, vous devez regarder la série. C'est pour moi, c'est un gros j'aime. C'est un j'aime. Pas le problème. Pas. Après ils suivent ils ont des épreuves machin et tout, ils traversent machin là. C'est super bien. C'est un gros j'aime. Un j'aime. Alors quatrième série de cette liste. Comme je vous avais dit, il y aura des séries un peu vieilles. Enfin un peu vieilles. Ça date. C'est sorti quand il y a 2 mois je crois. C'est Night Flyers. Enfin, c'est aussi. Bon, on continue. Enfin, j'ai mis directement après la récente parce que c'est aussi une série dans l'espace et tout. Et forcément, comme j'avais dit, il y a une mutinerie. Mais bon, ça vient plus tard. Enfin, non, il n'y a pas vraiment. Si, mais bon. Dans toutes les séries où il y a des vaisseaux spatiaux, et c'est dans l'espace, il y a toujours une mutinerie. Non, c'est normal. Et en vrai, enfin, ça fait super longtemps que j'ai pas. Parce que j'avais mis dans la précédente liste, donc du coup j'ai remis dans cette liste là. J'ai supprimé quelques séries et tout. Ça fait très longtemps que j'ai regardé. Mais en vrai, la série elle est plutôt bonne. Genre, le vaisseau est hanté, mais hanté. Comment vous dire ça numériquement. Enfin, numériquement. Technologiquement, c'est-à-dire, c'est pas un fantôme fantôme esprit qui va venir sur vous, machin et tout. C'est un fantôme technologique. Genre, vous devez regarder la série pour comprendre. Et alors, et pour moi, cette série, pour moi, c'est un grand j'aime. Je vous conseille vraiment d'aller regarder. Jusqu'à maintenant, je fais que des jeux, genre j'aime. Mais bon, ouais, il y aura 2 trucs que j'aime pas vraiment dans cette série de. Mais que je vous conseille de regarder, mais que j'ai pas vraiment aimé. Vous voyez? Alors, 5ème série de la liste, c'est Stranger Things. Enfin, cette série, on ne la présente plus. Mais si vous ne voulez pas aller regarder cette série, suicidez-vous. Je plaisante. Mais bon, la série, elle est bien. Surtout la saison 3. Enfin, la saison 1, c'était la meilleure saison ever. La saison 2, bof, bof. La saison 3, je vous dis, la saison 3, elle est bien. Elle est trop bien. Et. L'argument, genre la saison 3 elle est trop bien. Qu'est-ce que je peux dire c'est vrai que genre il y a des trucs téléphonés. C'est vrai que non, je sais pas quoi dire. Mais comme si je vous explique, dans la saison 1 il y avait du nouveau. C'était qu'est-ce qui m'arrive, genre je répète, c'était dans la saison 1 c'était nouveau. Enfin c'était une nouvelle série quoi. La saison 1 c'était une nouvelle série. C'était des jeunes, il y avait un truc bizarre, horreur, disparition, machin et tout. Et bon, on découvrait la série, machin et tout, c'était de nouveaux trucs. Et la saison 2, c'était pas de nouveaux trucs, c'était la continuité de la première saison. Mais comme on redécouvrait rien, ça n'a pas emballé. Mais bon, c'était la suite logique de ce qui devait se passer. Mais là, mais dans cette nouvelle, dans la saison 3, c'est la suite logique, mais avec des nouvelles choses qui arrivent, vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a des nouveaux trucs, des trucs qu'on n'avait pas vu dans la saison 1 et 2. Donc du coup, je vous conseille d'aller regarder la saison 3. Enfin, si vous n'avez pas encore... Enfin, vous regardez tout, hein, parce que sinon... Même si vous regardez la saison 3 directement, vous allez comprendre l'histoire en vrai. Mais bon, vous n'allez pas... Enfin, si, il faut tout regarder. Sixième série de la liste. Il faudrait que j'invoque il faut que je fasse des jingles, genre des trucs qui fait 6, machin, ça fait fou. Parce que là, truc bancal comme ça là. Mais bon. En vrai, est-ce que je vais prendre le temps de faire ça? En vrai, ça prend du temps de faire des petites animations, machin et tout. Où en étais-je? Sixième série de la liste. C'est Black Mirror saison 5. Comment vous dire? Black Mirror, j'adore. J'adore Black Mirror. C'est comme Love, Tiff and Robots. Les épisodes n'ont rien à voir avec. Il n'y a pas de fil rouge entre les épisodes. C'est des films. En gros, les épisodes, ce sont des films. 1h, 1h20. Des trucs dans le genre. La saison 5, je suis un peu déçu. Pourquoi? Je sais pas.
les épisodes, ils étaient pas... Déjà, il y a trois, il y a que trois épisodes. Il y a que trois. Donc, du coup, si t'aimes pas les trois, il y aura rien. Sauf l'épisode, enfin, l'épisode sur... Ça s'appelle comment l'épisode? Enfin, c'est un épisode, c'est le deuxième épisode de la série. C'est un chauffeur qui fout la merde. Enfin, ça, c'est... C'était passable. L'épisode... Après, les deux autres épisodes, avec celle avec Miley Cyrus et l'autre avec qui couchent ensemble dans des jeux vidéo, ça, non, ça va pas emballer. Ils se vendent après, ils se battent. Allez regarder parce que c'est intéressant, c'est toujours intéressant parce que comme je vous ai dit dans le premier épisode, Black Mirror, ça, comme si ça prend les technologies qu'on imagine dans le futur, les technologies qu'on a dans le futur, ou les technologies qu'on a maintenant, et ça les, ça amplifie ça, vous voyez, ça met la technologie dans son extrême, dans sa limite, genre aujourd'hui on a des casques de réalité virtuelle, on met ça sur notre tête. On est dans un autre monde, machin et tout, mais il y a un gros casque sur notre tête, quoi. C'est genre une excroissance pour aller dans un autre monde. Mais dans Black Mirror, genre, eux, ils en savent juste, c'est une puce. Je me souviens plus ce qu'ils avaient, genre, c'était quoi. Et c'était ton cerveau qui est transporté dans un autre monde directement. C'est comme Sword Art Online, c'est ceux qui connaissent ces animés. Et... Vous voyez, genre, c'est plus... en plus, tu bouges même pas, t'as plus besoin de bouger comme dans la réalité virtuelle. T'es assis, hop, et hop, t'es transporté dans un autre monde, genre. C'est trop bien, si ça existait aujourd'hui, je jouerais. Je vous conseille de regarder, voilà. Même si j'ai pas trop aimé la saison 7, saison 5, mais je vous conseille quand même de regarder. Donc du coup, pour moi, c'est un pour ça. C'est un jeu n'aime pas. Je suis désolé. On arrive à la 7ème série de cette liste. J'ai nommé Sabrina, partie 2. Enfin, écoutez, hein. Sabrina, c'est une série pour les adolescents. Je veux toujours me sentir adolescent. Enfin, je suis toujours adolescent. Je veux toujours me sentir adolescent, donc du coup, je regarde. Et je trouve que c'est bien. Genre, parfois c'est drôle, parfois c'est triste. Il y a des rebondissements, t'es là. Ah, d'accord. Oh, ah, d'accord. Voilà, ce genre de réaction, vous avez quand vous regardez Sabrina. C'est des trucs d'ado, vous voyez, tout ça doit aller dans tous les sens, ça doit faire ci, ça doit faire ça, machin. On a été, enfin, je suis toujours adolescent. Et là, pour moi, Sabrina, enfin, je vous explique pas ce qui se passe dans la série, dans la partie 2, mais il faut regarder la partie 1, et il y a beaucoup d'épisodes en vrai, mais bon, ça fait du ça, vous voyez, quand vous avez rien à faire, ou sinon, quand vous voulez passer du temps, vous prenez un épisode, vous regardez, ça passe le temps et tout, et vous êtes là, oh, ah, d'accord. C'est un j'aime pour moi. Et pour finir, j'ai choisi cette série juste pour cracher dessus. The Order. Genre, là, c'est nul. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Genre, c'était un... C'est quoi, ça s'appelle comment déjà? C'est une série pour ados aussi. Enfin, après, il y a des trucs qui intéressent moins. Vous voyez, ça va tantôt. Enfin, ça va aller dans tous les sens, mais c'est peut-être. T'as pas de. Ah, ah, oh, ah, d'accord. Non, tu les as pas avec ça. Et c'est. Genre, c'est une sorte de. Mais comment cette série là encore? Avec les jeunes loups là. Teen Wolf, voilà. Teen Wolf. La série là, Teen Wolf. Et c'est nul. Et en plus, j'ai regardé beaucoup d'épisodes. Hein. Vous vous rendez pas compte, j'ai regardé presque jusqu'à la fin. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Parce que après, je fais ça pour vous, hein. Je fais ça pour vous. Je regarde des séries Netflix pour voir si c'est bien ou pas, pour que vous puissiez regarder aussi. Et je me suis, j'ai perdu comme genre 8 heures de ma vie à regarder ça. Pour moi, c'est un gros, je n'aime pas. J'aime pas. C'est nul. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Enfin, après, vous allez toujours aller regarder, hein. Vous verrez par vous-même. Voilà, c'était la 8ème. C'était la 8ème et dernière. C'était la 8ème et dernière série de la liste. Il est vrai que on se quitte sur une note négative, mais pour partager de la positivité, n'hésitez pas à partager cette vidéo là partout, à laisser un bon commentaire. Enfin, mettez-moi les séries que vous regardez et tout dans la description. J'irai voir si je peux voir. Oh, mais je suis nul. J'ai oublié, l'une des séries, enfin, ça sera après, ça sera dans un autre JPP. Voilà.
Mais comme je vous disais, n'oubliez pas de partager la vidéo, d'aimer la vidéo et de vous abonner. Surtout de vous abonner parce que c'est très important de vous abonner. Vous voyez, genre, c'est important. Genre, j'ai pris un temps grave, machin et tout. Genre, j'avais le visage sérieux et tout. C'est pour vous dire que, genre, vous abonner, c'est vraiment important. Bon, on se quitte et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme chaque dimanche à midi. Enfin, parfois je poste pas les vidéos à midi, hein, mais dimanche. Mais bon, chaque dimanche à midi. Voilà. Au revoir. Ciao. C'est un peu mou, hein. Je suis sûr et certain, enfin, je suis sûr et certain que j'ai vu ça. J'ai vu un youtubeur faire ciao comme ça. Et je sais pas qui fait ça en fait.